bienvenue à la petite vie du matin. Alors ce matin, je vous présente un cheong. Qu'est-ce qu'un cheong? Un cheong est un sirop coréen. C'est un sirop qui est à cru, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cuisson. Alors ce matin, je vais faire un cheong d'orange. Alors ici, j'ai des oranges. Alors on peut voir que j'ai mis des clémentines, j'ai mis des oranges sanguines. Je vais faire un cheong d'agrumes, principalement d'oranges. Alors bien sûr, en premier, on les épluche. Donc on enlève la peau et on va aller peser le tout. Donc se munir d'une petite balance et aller peser la quantité que nous avons de fruits. Donc ici, j'ai 2 kg. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé 2 kg de sucre. C'est un temps pour temps, c'est-à-dire qu'on met autant de sucre que de fruits. Et on va aller ajouter nos fruits. Ça prend beaucoup d'espace parce que c'est du fruit. Donc on va aller recouvrir de sucre. Voilà, votre cheong est terminé. Alors, certaines personnes vont mettre un papier avec un élastique. Pour ma part, je n'aime pas du tout cette méthode. Je préfère aller mettre un couvercle. Tous les jours, qu'est-ce que je fais? Je prends un bâton, reprenez une cuillère, ce que vous voulez, et je vais touiller. Ce cheong va rester sur le comptoir une centaine de jours. On ne le met pas en lumière directe et certains le déplacent dans une température plus fraîche. Pour ma part, je le garde sur comptoir. 100 jours plus tard, on obtient un sirop. Au revoir, à la prochaine fois.